Donc, on se retrouve pour vous faire voir ce que j'ai reçu de Caroline d'un échange que j'ai eu sur le groupe Facebook Eventsy Scrap. Donc, c'était sur le thème de la musique. Donc, je vais vous faire voir tout de suite. Et par contre, dans mon petit haul action de tout à l'heure, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai pris ce tube de colle. Donc, j'ai envie d'essayer et voir ce que ça donne, cette colle-là. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je reviens à l'envoi de Caroline. Donc, elle m'a mis son petit mot sur un petit tag comme ça. Voilà. Et donc, voici l'audit d'enveloppe. Comme ceci. Et de l'autre côté, comme ça. Et avec, j'avais deux cartes postales qu'on n'a plus qu'à décorer. Donc, elle m'avait mis dedans. Vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de petites choses dedans. Donc, j'avais des 3D comme ceci. Alors, un petit sachet de thé. Alors, je ne connais pas du tout cette marque-là. J'ai hâte de découvrir. Relaxation, c'est ce qu'il me faut des fois quand les enfants nous énervent. Alors, elle m'a mis. Alors, ça doit être du ruban. Comme ça. Des petites perles. Du vélum avec des mots. Un petit tamponnage trop chou. J'adore. Alors, je ne sais pas où qu'elle a eu cette planche-là, mais franchement, c'est super joli. Elle m'a fait une gorgeous. Voilà. Donc, à l'intérieur, le papier est comme ceci. De l'autre côté, vous voyez, elle m'a fait une écriture musique. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être. Il y avait Memory Keeper qui avait sorti un appareil où on pouvait faire avec du fil de fer. Donc, voilà. Donc, je trouve ça super joli. Des petits nœuds comme ceci. Alors là, des tags. Donc, toujours pareil sur le thème de la musique. Sur du carton, c'est super sympa. Deux autocollants musique. Alors, des tamponnages avec des notes de musique. C'est super sympa. J'en ai un, mais il est tout petit. J'avais eu sur AliExpress, mais il est tout petit. Alors là, elle m'a mis donc un fond de carte, du papier vellum et une partition de musique. Et ici, nous avons plein de petites. Alors, on a la découpe musique avec des mots qui est en papier. Elle m'a fait donc dans le même principe que le mot écrit musique avec ici une clé de sol. J'ai une petite guitare qui est là. Et puis des notes de musique qui sont ici. Ah, attendez, hop. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite pour pas. Voilà, une petite note de musique. Je trouve ça super. Je ne sais pas où qu'elle l'a eu, mais j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ceci. Et à l'intérieur de l'enveloppe. J'ai pu retrouver donc de la dentelle avec un ruban, des petits stickers comme ceci, un autre stickers comme là, des étoiles en feutrine.
Des puffs, des petits ronds en mousse là, je sais plus, des petits stickers. Et un petit sticky note, toujours pratique. Donc voilà comment était son nappy enveloppe. Donc franchement, superbe envoi, je te remercie énormément. Donc je l'ai déjà remercié par mail, donc je la remercie à nouveau. J'adore tout, vraiment, c'est vraiment très très beau. Donc merci, merci beaucoup Caroline. Maintenant je vais vous faire voir car j'ai gagné le concours de la chaîne Sab 62 660. Donc la semaine dernière elle avait fait un petit concours, j'ai participé vraiment comme ça, en me disant, bah tiens, ça permet toujours, c'est toujours agréable d'avoir plein de participations à son concours. Et voilà. Donc, j'ai participé et j'ai gagné. Donc, voilà, je suis super contente, franchement. Ça fait toujours plaisir. Et puis, elle a vraiment, c'était un sacré lot quand même. Hein, je ne vous cache pas. Regardez, vous voyez, c'est arrivé comme ça. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il y avait dedans. Donc, j'avais des c'est quoi, c'est des épingles comme ceci. Voilà. Alors ça j'aime beaucoup. J'avais des embellissements comme ça. J'adore ça. Les papillons. J'en avais presque plus, donc je suis super contente. Parce que ça, du coup, il n'y en a plus dans mon action. Hein. Je vous rassure. J'avais de l'eau de tampon comme ça. Des 3D stickers comme ceci. Alors, les papillons. Les fleurs. Les chats et la licorne et une plaque d'engouffrage, et celle-ci je ne l'avais pas non plus, donc vous voyez j'arrive pratiquement à avoir le lot complet. Donc là c'est celle avec les petites fleurs, donc ça je l'avais pas pris celui-là, donc voilà. Attendez, parce que du coup, et j'avais ce bloc-ci, le Luxe Paper. Donc c'est pareil, je ne l'avais pas pris non plus. Ça, je les avais eu dans mon action, mais je ne l'avais pas pris. Parce que je me dis, au bout d'un moment, il faut se limiter. Donc je suis super contente du coup de l'avoir. Que je reconnais, j'ai un peu beaucoup de stock en ce moment, donc un manque de temps pour produire, donc du coup j'ai du stock, donc j'avais limité on va dire, mais du coup je suis super contente puisque je l'ai. Et donc dans la deuxième enveloppe j'avais un crayon emoji. Alors, et là c'est pareil, je les avais pas, deux blocs de papier comme ceci. Donc là, j'adore parce que c'est pareil, j'avais pas pris étant donné que j'avais pas mal de papier de stock. Donc du coup, je suis super contente. Vous voyez, il y a plein de petits qu'on peut utiliser sympathiquement. Les miroirs stickers, comme ça. Donc c'est pareil. J'avais pas pris non plus dans mon action, donc j'en ai maintenant. Ah, ça j'aurais dû le prendre hier hein, parce que un petit éventail comme ça, franchement j'y ai pas pensé hier de le prendre, vous voyez. Alors là ma fille elle a adoré une grosse gomme comme ceci emoji. Alors là c'est j'ai de quoi gommer ou elle a de quoi gommer pour c'est de voir si elle veut l'utiliser. Donc voilà. Alors ici on a
un petit sachet avec des petits strass de chez Action là. J'ai même pas d'ailleurs fini de trier mes boîtes. Donc, du coup, je vais rajouter cela en même temps avec. Parce que vous savez, je les trie et puis je les mets dans. Et par contre, j'adore son sac. Vous voyez, je pensais. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais c'est carrément brodé dessus. Alors, je sais pas du tout où elle a eu ce sac. Mais alors, franchement, c'est superbe. À moins que ce soit toi qui l'ai fait, je sais pas. Tu me diras, peut-être Sabrina, si c'est toi qui l'as fait ou pas. Parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai des images gorgeous. Donc là, j'ai une gorgeous. Alors ça, je pense qu'elle a dû imprimer ça sur Pinterest. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Voilà. C'est vrai que c'est sympa. Ça, je pense que pour faire une capsule altérée, bah j'ai deux fois les mêmes. Les capsules altérées, je pense que ça doit être super sympa. Le tag, il est super joli là. Franchement, j'adore, c'est super joli. Et là, j'ai une petite gorgeous. Et c'est pas fini. Ici, j'ai une gorgeous. Une comme ça. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Donc franchement, super joli, j'aime beaucoup. Je vais peut-être aller regarder les images de Gorgeous sur Pinterest et pouvoir en imprimer parce que franchement, c'est un super rendu. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est pareil, je ne l'avais pas puisque je m'étais raisonnée à pas les prendre et du coup, je l'ai, donc je suis super contente. En plus, c'est celui que j'aimais beaucoup, donc le Paper Craft Set. J'ai même pas ouvert, vous voyez, je l'ai eu cette semaine et j'ai même pas ouvert. Aussi manque de temps, parce que du coup, faisant partie des parents d'élèves de l'école de mes enfants, j'ai aidé à préparer la kermesse, donc du coup, on était un petit peu... Cette semaine, ça s'est un peu bousculé, on va dire. Donc, dedans, on retrouve les petites plumes. J'ai des stickers comme ça. Alors là, j'ai des feuilles comme ceci et derrière, c'est comme ça. Oh, celle-ci, pour faire un fond de carte, celui-là est magnifique. Même l'autre côté est très très joli. Donc on retrouve celui-ci et de l'autre côté comme ça. Vraiment, c'est super chouette. C'est vraiment très joli. Tu vas me laisser me tenter par le deuxième. Il y en a un qui est en noir, aussi avec du noir, je crois. Et c'est pareil, je résiste. Je l'ai vu cette semaine et j'ai résisté. Je ne l'ai pas pris. J'ai dit non, Aurélie, tu as trop de papier. Arrête le stock. Parce qu'en plus, mes deux bacs de papier sont pleins. Chut, faut pas le dire. Mon mari, il serait, je crois qu'il serait un peu fou. Donc voilà, celle-ci, elle est magnifique. Ah, j'adore celle-ci. Donc là, on retrouve, il y a des tags. Alors, je vais poser ça. Donc là, on a
des planches de à découper là, de stickers à découper. Et donc là, on a les papiers. Oh là, ils sont super chouettes. Mais je vais regretter de pas avoir été prendre le papier qui me plaît. Hein, je vous le dis, les filles. Hein. Parce que franchement, je l'avais pas ouvert. Et franchement, ils sont super. Franchement, celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, un peu les couleurs qui pètent, hein, c'est un peu mes couleurs hein, quand même. Et donc voilà. Donc franchement, merci Sabrina parce que tu m'as fait découvrir. Tu vas me faire regretter de ne pas avoir pris les autres que j'ai vus en magasin. Donc, non. Il faut que je résiste. Parce que franchement, ils sont vraiment mais très très jolis. C'est vraiment superbe. Je crois que... Et puis j'avais le petit ruban. Plus ça va, plus je trouve que Action crée de superbes papiers. Et bon, je pense qu'ils doivent s'inspirer aussi hein, des grandes marques. Mais je trouve vraiment que plus ça va, plus on a des papiers superbes. Je remettrai ça tout à l'heure. Et j'ai dedans, alors ça j'adore, du coup j'en ai pas mal utilisé, les petits stickers comme ceci. Donc, voilà. Le doré. Le rose. Le doré comme ça. Et l'argenté. Et donc voilà. Donc... Un énorme merci Sabrina, franchement c'est superbe, j'adore ton envoi, j'aime beaucoup. Tu m'as fait découvrir quelques papiers que j'avais pas pris et franchement ils sont superbes, donc merci à toi d'avoir organisé ce concours. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis scrapez bien cette semaine. Allez, bisous, bye bye.